Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de A à Z comment faire l'élevage des poulets Goliath. Les poulets Goliath tiennent leur origine en Afrique, précisément au Bénin. Ils sont rustiques, résistants face aux maladies, s'adaptent bien à n'importe quel continent, sans oublier leur viande qui est très succulente. Quelle est l'origine de la race? L'origine de la race des poulets Goliath. Les poulets Goliath sont encore appelés poulets bicyclettes géants parce qu'ils sont des poulets locaux. Ils ont été sélectionnés au Bénin à partir de plusieurs croisements génétiques par M. Camille Toze, si je prononce bien, entre plusieurs souches de poulets, notamment de la souche Peul en particulier, ce qui fait qu'ils sont plus gros que les poulets bicyclettes et qu'ils sont encore aussi dynamiques et mangent pratiquement tout. Ils sont aussi très différents des poulets locaux. Maintenant, quel est le choix de l'emplacement si vous voulez débuter l'élevage des poulets Goliath? Le bâtiment avicole doit être construit sur un lieu non inondé. Un terrain proche de votre lieu d'habitation si possible. On va limiter ainsi les déplacements et diminuer la fatigue et les pertes de temps. Mieux on a l'œil sur notre ferme à côté de nous. Il faut aussi un terrain bien sec. Dans ce cas, il faut choisir si possible un sol en pente légère qui va absorber l'eau des pluies. Et si vous avez besoin, surélever le terrain du poulailler de 30 cm et creuser des rigoles pour l'écoulement des eaux. Il faut un terrain bien abrité. Il faut prévoir l'orientation du bâtiment pour que les ouvertures ne soient pas face au vent dominant. Il faut aussi des zones protégées du plein soleil. En somme, pour un bon rendement, l'abri des volailles doit être sec car l'humidité favorise les maladies. Il doit être clair car la lumière va favoriser la santé. Il doit être proportionné au nombre de volailles. Et aussi la densité. Il faut aussi bien regarder la densité. Nous allons maintenant aborder le choix de la race. Le choix de la race dépend des objectifs économiques définis par l'éleveur ou l'agro-entrepreneur, des moyens financiers dont il dispose et de son marché. S'il n'a pas assez de capital, il devra opter pour les races locales améliorées. S'il a pour objectif de vendre des sujets de plus de 5 kg à partir de 5 mois ou vendre des poussins de race pure ou des œufs fécondés pour se choisir ce objectif. S'il dispose de capital suffisant et il convoite une grande et rapide rentabilité, il faut choisir les poulets Goliath. Les poulets Goliath peuvent avoir des sujets de plus de 5 kg, les œufs féconds et les poussins Goliath. Pour cela, il faudra être prêt à supporter quelques contraintes, notamment le prix de l'achat de poussins ou de la poulette, le taux de mortalité, la durée de ponte, le poids moyen de l'œuf et le prix de l'aliment. Voilà quelques contraintes qui peuvent vous empêcher de débuter l'élevage des poulets Goliath. Maintenant, quelles sont les techniques de conduite de la race Goliath? Les poulets Goliath sont géants. Il a une longue durée de vie et il donne une bonne viande qui est tendre et très douce comme le poulet bicyclette. L'engraissement des sujets de plus de 5 kg. Dès l'enfance, les poussins peuvent peser déjà 45 à 55 grammes. Dès la naissance. Concernant les techniques de conduite, il faut suivre les mêmes techniques de conduite que celui des coquelets. Lorsqu'ils sont mis dans les bonnes conditions d'alimentation, leur poids peut atteindre 2,5 kg en l'espace de 3 mois. 5 kg en l'espace de 5 à 6 mois. Le temps qu'à partir de que, à part le poids, ces poulets sont dotés d'une très grande taille. Les mâles à l'âge adulte peuvent déjà peser jusqu'à 9 kg et les femelles 5 kg. Ce qui fait la particularité de cette race, c'est que les poulets, et que l'aliment de nos poulets ici en Afrique sont très résistants face aux maladies et son élevage est moins coûteux. Vous pouvez vendre vos sujets à partir de 5 mois, déjà à 8, voire 10 000 francs selon son poids. Maintenant, concernant la production et la vente des œufs, dès l'instant, les poussins peuvent peser 45 à 55 grammes, comme on a dit. Mais à partir de l'étape poulette, vous pouvez sélectionner les sujets destinés à la reproduction et vous commencez par donner l'aliment poulette. Il faut éviter les aliments ponte car vous aurez beaucoup d'œufs non fertiles. Maintenant, le début de la ponte peut commencer à l'âge de 5 mois. La durée de ponte va aller jusqu'à 18 mois. Le gros calibre 60 grammes pour les œufs. L'instinct de couvaison n'est pas souvent très grand et le nombre d'œufs pondus par an est de 312. La tolérance climatique s'adapte déjà à tous les climats. Ça touche à tous les climats, autant pour moi. Et le ratio, c'est un mâle pour 4 femelles. Et l'origine, comme on a dit, c'est au Bénin. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. C'est un groupe où nous échangeons uniquement élevage et agriculture. Nous avons regroupé les agriculteurs, les cuniculteurs, les porciculteurs, les agronomes, bref, les éleveurs et agriculteurs promouvoir l'agriculture et l'élevage ensemble. Comment fonctionne le groupe? Les agriculteurs posent les questions, les mamans répondent. Les mamans posent les questions, les administrateurs répondent. C'est un groupe, c'est vice-versa. Et chaque jour, les agriculteurs, c'est un conseil qu'ils envoient dans le groupe. Ils envoient, c'est un conseil dans nos différents groupes WhatsApp. Les mamans répondent, s'ils ont les questions, ils posent. Et si vous rencontrez aussi des problèmes dans votre ferme, vous pouvez également poser. Peut-être que vos poulets sont malades, vos porcs sont malades, ou vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez directement écrire dans le groupe WhatsApp. Et les administrateurs et d'autres membres du groupe vont vous aider à répondre. Si vous avez vos poulets, vos porcs, vos lapins, vous n'avez pas à vendre, vous pouvez également postuler dans le groupe et on va vous aider à trouver les stratégies marketing
pour écouler vos sujets. Donc, pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous envoyez votre capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Pour intégrer le groupe, vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran, un screenshot de votre abonnement. Vous envoyez le numéro 694 13 63 35 et la personne se chargera de vous ajouter au groupe. Maintenant, quel est le but de cette race? Le but de cette race est de rentabiliser le secteur agricole et économiser dans l'alimentation des volailles avec la race de poulet Goliath. Pour raison de couverture des besoins en poussin, nous mettons cette volaille à votre disposition dans tous les pays sous un format moyen pour un bon apport de qualité. Cette volaille se laisse facilement élever à moindre coût. Au vu des différentes caractéristiques des poulets de la race Goliath, il faut sans doute noter quelles sont les meilleures races actuelles et surtout la race la plus convoitée par les agriculteurs des autres pays africains. Donc, c'est vraiment la race de l'avenir. Je vous conseille vivement de pencher un peu dans les poulets Goliath. Vous pouvez élever vos poulets de chèvre, vos poules pondeuses, vos poules locales améliorées, mais essayez un peu je sais pas, de lancer un peu les poulets Goliath, que ce soit même un coq pour trois femelles, comme on a tantôt dit là, parce que c'est vraiment la race de l'avenir ici en Afrique. Vraiment la race de l'avenir. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner, de liker, d'abonner sur le groupe, pouce bleu, surtout de vous abonner parce que c'est vraiment cela qui nous motive à produire, à reproduire et à surproduire les vidéos pour vous. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne nuit. Bref, ça dépend de l'heure que vous allez visionner cette vidéo. On se retrouve juste à la prochaine.